Allô, oui, mon micro était coupé. C'est bon, vous êtes là, le chat? C'est bon? Oui. Donc c'est tout mon PC qui avait bugué, donc j'ai dû redémarrer. Trop bien. Donc dites-moi, vous êtes là, sinon je me tue. Voilà, merci. Ok, donc pour ceux qui regardent sur YouTube, donc oui, après un bug incroyable, totalement stylé, qui arrive à la fin, donc totalement ça fait pas du tout rager, on repart. Mon micro est coupé. Quoi? Mais comment c'est découpé? Non, je l'ai découpé. Attends. Ouais, il faut que ça recommence. Mais ça marchait bien il y a 2 secondes. Pourquoi ça marche plus? Les QTE, trop marrant, trop bien le jeu. Ah, bordel, je suis salé. Le jeu qui a fait juste bugger le PC, c'est pas mal ça quand même comme concept. Non mais la connectique des DS4 est à chier, hein, vraiment, ça pendouille, t'as un fil un peu trop lourd, le machin il fait que se déconnecter. C'est de la merde. Sony, allez vous faire foutre. Vous êtes à chier. Toujours, ça tout le temps. Et je vais pas acheter mettre Xbox One parce que ça coûte 560 balles et j'ai pas que ça à foutre. C'est putain de QTE! J'ai perdu patience là, j'ai pas vraiment que c'est la fin, il y a pas d'autres merdes à chier de QTE à la con. Après ce gros con. Je rigole pas. Je suis pour casser des gueules. Ça commence à bien faire. Reste à terre, ne touche pas. Tout le monde s'est barré. Tout le monde s'est barré. Il y a toujours Akari, Rifal et tout? Vous êtes là les gens, j'espère. Je vous ai fait peur. Je me suis énervé, j'ai fait peur. Il faut remonter. Toi, hey mec, je vais tellement t'exploser ta gueule, t'imagines même pas. C'est barré, bordel, ça m'énerve. C'est bon, c'est en chiant. Bon, le vieux QTE.
ことなく、ただ己の心にのみ意識を集中する。それが明鏡止水の境地。己の心にのみ意識を。とどめだ。C'est nul, mais c'est d'un nul! Ah, c'est ça le final, et c'est nul, bordel! Allez, les QTE, allez, pilote un QTE, tu dois faire deux touches en même temps, le truc que t'as jamais fait avant, mais t'as trop de pif, allez, vas-y. Pif que tu dois faire deux touches en même temps, c'est la vie. Mais donne-moi énorme, mais... Par contre, je l'ai raté, là! Qui parle, je suis face à un pire combat de l'histoire, c'est génial. C'est dans le fan sur le 2. Je fais n'importe quoi. J'ai plus de patience à ce qui m'est arrivé là. Putain, ça me dégoûte vraiment. Oh là là. Tous les streams sont super bien passés, et puis vraiment, à la fin, faut que ça fasse de la merde. Quoi. C'est incroyable quand même. Quoi d'être à ce point à avoir de la shot comme ça dans la vie? C'est quand même fou, hein.
Faut stopper le flashback de merde en mode shonen à la con là. Ah, je suis énervé. Donnez de bris, oh, gna, putain. Oh là là, c'est tout le genre. Allez, rentre chez toi. Le rifle qui revient, mais quel sac. Qui revient quand tout est fini, après que j'ai pété un câble pendant une demi-heure parce que ma manette était buggée. Merci rifle. Ça me saoulerait trop qu'à carré loupe la fin là, avant qu'elle se ramène. Ah, c'est bon! Ah, t'as raté des beaux instants sur les TV, hein! T'as raté moi qui pète un câble sur la manette, qui en doit redémarrer le PC, qui insulte Tesca, qui recommence 10 000 fois le combat contre le gros pour. Parce que t'as plein de QTE, si tu peux QTE, t'en fais tout le combat, c'est trop bien, c'est le final. Et Landy vient de se barrer devant Domné. Mais on va enfin voir l'autre con sur sa montagne, normalement, parce que la fin du jeu se termine avec elle. Voilà. C'est-à-dire que la meuf que tu vois sur la jaquette de Shenmue 1, tu la vois qu'à la toute fin de Shenmue 2, ça c'est quand même... C'est quand même pas mal. La vengeance. De Morsay, non dit à venger la mort de son père, Su Ming Zhao. Ça peut arrêter Lunding Zhao, ce fils de Sun Ming Zhao. Long Sun Zhao. On dit que Sun Ming Zhao a été tué par ton père. C'est impossible, mon père ne tuera jamais personne. Il faudrait bien le croire moi-même. Mais j'ignore ce qui s'est passé. Vraiment. Je sais que Sun Ming Zhao est mort. Kiwo a ramené les miroirs de Zhao au Japon. Les miroirs. Sun Ming Zhao était mon meilleur ami. S'il était encore vivant, il serait devenu une légende des arts martiaux. Ce miroir est à mon père. Pas d'erreur possible, ce miroir qui appartient à Sun Ming Zhao. Une scène avec tes cheveux. J'en dis à Dragon Dragon quand il vient chez mon père. Je
On vient écouter des histoires à la con, ouais. Je compare le Spearware. C'est quoi ce truc? Lors du Phoenix sur le dragon s'assemble pour former une clé. Une clé. Oui. Une clé menant trésor caché permettant de ressusciter la dynastie des Kings. Oh là là, le twist. Voilà, vous avez entendu ça? Il a gagné des trésors! Excusez-moi. On va éteindre les lumières, allumer la bougie. Ah, est-ce que le Arcadia, ça sert d'être en bon jeu. Tac. Bon, en vrai, le final était stylé, même s'il est putain cuiteux, bordel, ça a tellement tourné, quoi. Mais bon, c'est pas fini, il reste encore, encore un peu d'heures de jeu. Là. Enfin, y a pas d'heures de jeu, mais genre quelques minutes normalement, il me semble. What the fuck? C'est. Cette lumière indique le placement du trésor. C'est où? Ce diamant ne suffit pas. Nous saurons ce que celui-là se combinant à celle mise par le diamant du dragon. Voir simplement avec le meilleur du phénix. Il y a un indice. Tu dois aller à Gulin. Ah ah! Gulin. Il s'endra où Zao et Iwao s'entraînaient aussi, il était jeune. Mon père, rentre au village Beilou, à Gulin. Les noirs sont faits avec des pierres de rivière fantôme qui n'existent que dans ce village. Putain, là. Et du coup, c'est l'endroit où se déroule le Shenmue 3, du coup. Formation. Gulin. Le village Beilou. On y s'y dirige également. On est parti à Gulin. T'as vu, hein? Bah ouais, non, mais je te dis, le sort de Shenmue est prévu depuis, depuis le début. Hein. Enfin, les grandes lignes, hein, c'est déjà prévu. Beaucoup été. Et toi aussi, Billy. De la part de Ren. Ren. Coin. Des pièces. Ah, damn! Ah, c'est pour ça qu'il nous avait à chaque fois le salon. Ça explique des choses. Je vais garder en souvenir. Ça lui servira à tricher dans le trône. Oh la putain, les mecs ont dû attendre 18 ans pour la suite, bordel. Bon, c'est toujours un peu le shonen dans les deux. Hein. Là c'est Ren et dans le premier c'était le fils de, du maître là. J'espère qu'on les reverra les deux. Surtout que l'autre il a dit qu'il devait nous rejoindre hein, celui-là. Il a dit qu'il devait nous rejoindre. Là. Ah
Copain, toujours bon moment. Ça agace, copain. Attention, Ryan, tu vas te casser le... Tu vas te casser le nom. Kirin. Très honnête, c'est les kings. Ça va tranquille, sauf tout à l'heure, là, t'as raté le pétage au câble. Scarlet Hills. Ouais, qu'est-ce que t'en fous, le Rio? C'est interdit, ça descache, je te banne. Ah, ils étaient très fiers. Few months later. J'ai juste demandé de faire un quart de cercle et point. Yo. Ça roule. C'était quoi le dernier coup? La pomme dans ton cul. L'un des bats de Baji Guan. De Baji Guan, le triangle du démon. Ce coup est expliqué ici. Ah, ça tombe bien, j'avais faim. Je rappelle que dans une heure environ, il y a Riffel qui va streamer Pokémon, donc je vais aller voir si vous avez rien à faire de votre soirée. Tac, normalement nous on a bientôt fini. Tu nous quittes? Oui. On dit à plein de Kirin. Kirin. Prends du vent. C'est le Yang ou le Ying, ça? Je sais pas. Parce que son frère c'est Landy du coup. Une baguette à main. Ça suffit, celle whip, je te bats. Je suis le même chemin que mon frère.
J'ai parlé à haine, on finit par te détruire. Pourquoi tu emprunts une telle voie? Ça fait 3 fois que tu me le dis. Peut-être même 4. Ou 5. Je comprends ce que tu ressens à votre frère. Et vous aussi, vous le comprenez. Je ne mourrai pas. Je ferai sûrement vie quelque part. Yang, c'est blanc, d'accord, merci beaucoup. Merci Wikipédia. Ça va faire beaucoup de VOD à QT après. Il faut que je reploade le NTS, sinon il fallait encore aller. Pourquoi il y a plein de notifs sur GN là, cassez-vous. Andy est parti pour le village de Beilou à Guilin. Je pourrais trouver un indice là-bas. Le village Beilou est le seul endroit où trouver des pierres de rivière fantôme. Ok. Magus, j'en ai mon coup. Ouah, stylé. Pam 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 pam. Andy s'y dirige également. Enfin, ça a pris un coup de vieux, ces textures. Languishan, d'accord. Voilà, c'est Shenmue 3, on commence, c'est parti les potes. J'imagine c'est pas la fin. Non mais je crois qu'il y a encore un peu de gameplay avant. On va parler à 2-3 personnes. Parce que la fin ça se termine devant la fresque et c'est le début de Shenmue 3 en fait, devant la fresque. Genre le début de Shenmue 3 remake la scène finale de Shenmue 2 qui est assez marquante. Ouais, good game. Excusez-moi, Beilou. Je connais pas. Peut-être que le binocleur en sait plus, je suis un peu lui demander. Les binocles.
Moi j'ai du Japon. Japon, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu devrais lever Bailou. Lâche Bailou. Oh, tu devrais être étrange. Qu'est-ce qu'on se lève Bailou? C'est par là. Peut-être. Peut-être. Je crois que c'est par là, mais je suis pas sûr. Mais j'en ai plus celle qu'elle était. Ok, je sais pas si je vais écouter. Ah, mais avec le backpack, hein, il met la max. Hein. Il y a personne, on peut carotte. Oh, c'était loin joli, putain, mais c'est ce que je voulais depuis le début du jeu, en fait, un paysage comme ça. Et du coup, Shenmue 3, c'est full comme ça, donc moi, je dis oui, je dis 20 sur... Ça fait... comme dirait un grand penseur, ça fait très Japon, ça fait vraiment très Japon. Ça fait 18 ans que j'arrange ce jeu, vraiment, ça fait très Japon. Alors... tout à fait, je vois. On répond une question. Oui, maintes et maintes fois, il y a bien longtemps. Et en tant que cela, quand j'étais jeune, j'étais toujours sur la route à rendre mes médicaments. Mais à mon âge, impossible de voir sa montagne. Je veux vraiment faire les montagnes. Il faut faire grimper un certain nombre de montagnes. Attention à certaines falaises, la hauteur peut donner des tourdis. Et la forêt, c'est si dense qu'elles font perdre des tours de droite ou gauche. Vraiment ? C'est pas te dire, si tu peux pas en route, deux jours, trois éternités. Toute ma vie, je plaisante, il faut attention par contre. Merci beaucoup. Non, je pense pas que tu puisses transférer ta save de Shenmue 2 à Shenmue 3, c'est galère. Parce que déjà, les mecs qui ont Shenmue 2 sur Dreamcast, je sais pas comment ils peuvent ramener la save, tu vois. Puis même, parce que Shenmue 1 et 2 Remaster, c'est Sega, alors que Shenmue 3, c'est Deep Silver, c'est pas Sega à laisser la licence. À Yu Suzuki, je vois pas comment en fait tu pourrais avoir une compatibilité entre les deux genres. Je pense pas que ce serait très légal ni très possible en fait. Ouais, je sais. Eh bien, laisse-moi réfléchir. Oui, ça j'ai une idée. Allez, on joue ensemble. Non. Non. Oh oui, c'est chill, la vie chill. Mais c'est trop marrant de les voir comme ça, les gens chill et tout. Le jeu il se relaxe. Ah, il est stylé lui. Prenez deux jours, bien sûr, je peux vous refaire, mais compris. Le village Bailo. Prévert. Dans Prévert, il y a des ennemis peut-être. Il n'y a pas besoin d'ennemis, c'est poétique. Non mais on est trop corrompu par l'idée par le 36-15 d'Esca, je sais pas. Oh, c'est tellement stylé, putain. Nanja. Il faut traverser les montagnes, t'arrives au Bailou, c'est le chemin qui va dans le village. Je préfère Shenmue dans des villages comme ça. Ouais, c'est ça, mais le truc, c'est qu'à la fin de Shenmue 2 que t'as des villages comme ça. C'est qu'à la fin de Shenmue 2. Par contre, Hong Kong, ça mettait la max, hein, franchement. Par contre, je suis beaucoup moins fan de l'espèce de village dégueu avec 3000 bâtiments. C'était quand même un peu à chier. Hein. Enfin, avec 3000 tours infinis, là. Oh, quel enfer. Oh bah non, le beau temps, il part déjà. Putain, oh là là. Ça n'aurait été que de courte durée. Hein. Mais Shenmue, c'est poétique, n'oubliez pas. Putain.
Ouais, c'est ça, alors la moitié de Shenmue 2, c'est des escaliers, quoi. Putain, quel enfer. Ah, vite, je pète. Ah, j'ai pas le droit de me salir, vite. Rivière boueuse. Bouton brut. Putain, mais on est plus. From Ardèche tout Bretagne. Real quick. Oh là là. Le grillon retrouvé mort noyé. Oh non, la chèvre! La biquette! Quoi? And this is super sad crazy. Pam 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 Oh là putain, les remixes dans Generation, ils mettent la map. Ryu, mais c'est pas Ryu, bordel! C'est pas Street Fighter! C'est Ryo! Lâche le faon! Non! Lâche-le! Sinon tu vas crever, bordel! Putain, Ryo, bordoyer! Berge de la rivière. Ouais, c'est une bergue. Point les dragons! Et guilé. Alors, combien il est chez Mou 3 sur Google CD? 35 balles. Écoutez, les amis, on fait une cagnotte. Quel soulagement. Heureusement que tu es en vie, hein, c'est le thème. Ouais, c'est le thème de... C'est le thème de Shenmue, justement. Je devais le sauver. Le faon blanc et le gardien de mon village. Le gardien. Oh le gars. Cher bourg. Village Bailou. Où est-ce qu'il se trouve? Oh, de cette rivière. C'est loin. Je vais te montrer. On va la suivre en mode comme les vieux là. Je m'appelle Shenmue. Toi, Azuki. Suis-moi. Tac. Parce qu'il va devoir que je suis l'élu de la prophétie du dimanche. Léo. Où est-ce que tu viens? Je. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Non, je suis du Japon. Japon, qu'est-ce que c'est? Oh la grotte. Bien ta grotte! C'est la famille de l'Est de la Chine. À l'Est. Japon est petit comparé à la Chine. Ça, être tout petit pays minuscule! Chine, être grand pays!
Japon toujours vouloir conquérir la Chine. Qu'est-ce qui se passe, Ryo? Non, ça vient de South Park. C'est un petit village dans les montagnes. L'excellent épisode avec Butters. On a trouvé deux montagnes pour l'atteindre. Vraiment, deux montagnes. Je crois que c'est la saison 15, je crois. Tu as vécu au village Beilou toute ta vie? Oui, je suis toute petite. Et ta famille aussi? Oui, dommage du communisme. Je vois. Oui. Village Beilou. Si je peux en dire plus quand c'est le village Beilou. Mon grand-père m'a dit que c'était l'un des plus anciens villages du Boulin. Un village. Ouais, il existe depuis Adnès, si il est en vie. On raconte que nous avons expulsé de la cité impériale par l'empereur. On construit ce village pour y vivre caché. Vraiment. C'est fascinant. N'est-ce pas, vous découvrez, voilà, pittoresque village de Beilou en Chine. N'est-ce pas, Louis XVI, hein, Louis XVI entretenait des relations cordiales avec, avec les habitants du village. Et les inconvénients ont vu que la ville est entourée de montagnes. Du coup, c'est pas pratique pour faire les courses. Bénédiction des montagnes. Plus on se rapproche du village, le chemin est plus escarpé. Oui, on va bientôt escalader la montagne, donc dites-moi si tu veux t'arrêter un peu, hein, avant de continuer à connaître un peu plus l'histoire. Le carouf, il a dit. Attends, ah merde, j'ai oublié mes clopes à Hong Kong, attendez, je retourne. Non, je rigolais. Non, je me suis désynchro, MDR. On raconte de nombreuses légendes au village de Beilou. Il y a des légendes? Oui, ce village a accumulé de nombreuses histoires au fil des siècles d'existence. Eh bien, quel genre d'histoire est-ce qu'on raconte là où tu as grandi? Là où j'ai grandi? J'imagine qu'il y avait... Raconte-moi tout. D'accord. Le Tanuki, Gemuki, la légende du Gemuki, le forceur Dragon Quest One Piece. Les Tanuki, cet animal malin et taquin d'Australie. Alors, les fleurs préférées de Valérie Damido. Les Tanuki japonais sont sans monde humain. T'as vu ça, je pense pas qu'ils puissent refaire ça, c'est ce que je pense. Non, ça suffit, Nesca, t'es banni, allez, tiens, Yamar, c'est bon. Alors t'es quoi comme genre d'histoire avec le Beilou? Il y a tant d'histoires à raconter. Surtout le fer blanc qui sort un gardien, c'est une histoire. Tu peux raconter l'histoire? Il y a bien longtemps, un village a connu une sécheresse sur une feu de forêt. Lorsque le village fut entouré de flammes, le cerf blanc est apparu. Un cerf blanc a mené le villageois vers les sources de la montagne. Ouais, 60 FPS là, on y va. Les villageois ont dû s'échapper de l'ensemble de cette histoire. C'est là pourquoi le gardien du village depuis, le cerf blanc est apparu dans le temps pour ce villageois de lui en danger. Intéressant, le villageois y croit, et moi aussi. Chemin à travers la forest. Peut-être la poésie du jeu s'est fait bonne. Explication. La trahison d'un abonné, cher Kirby, là. Trahison d'un abonné. J'étais très déçu de cet abonné. C'était un de mes premiers abonnés, mais il a dit des trucs à la fin, je ne pouvais plus supporter, donc j'ai dû le bannir. Voilà. Mais vraiment, c'est pas ce qu'il a fait. Après, il est venu devant chez moi prendre des photos. Et après, quand je l'ai vu devant chez moi prendre des photos avec son téléphone, j'ai fait LE PORTABLE. Tous les arbres sont en fleurs. Des oliviers odorants. Oui. En Chine, on appelle ça des gui. Aura Blade. Il y en a beaucoup pour dans les bois ou le lin. Gilin signifie donc forêt de divers odorats.
Des touffes en fleurs, oui, comme si toutes les montagnes s'enveloppaient dans un manteau de fleurs. Prenons le pari. On peut. Ah putain, c'est vraiment on cause de ouf, hein, vraiment. Peu importe où on va, le chemin est toujours identique. C'est comme ça partout dans le coin. Est-ce que t'en fais oui. Quand j'étais petite, je suis pas trop cachée. Du coup, ça fait rire qu'il ait jamais entendu parler du Japon, mais qu'il parle japonais au cam, langue maternelle. Voilà, y a pas. Ça, c'est la barrière du gaming. On peut trouver autre. Je cherche les empreintes des animaux, des empreintes. Tu sais sur les animaux. Je joue sur la forêt depuis que je suis toute petite. Je suis toute seule. Non, mon père m'a enseigné la plupart de ce que je sais. Ça aurait été plus logique de dire que genre legit, en fait, Ryo il a parlé, il s'est parlé de chinois parce que son père lui a appris vu que son père était en Chine, ou alors qu'il a appris le chinois au lycée, je sais pas. Que juste là tout le monde parle japonais, c'est un peu awkward. Après ouais, je me dis bien qu'ils auraient pas doublé le jeu en chinois, donc ils auraient pu faire genre, il parle chinois mais en même temps c'est en japonais, mais il parle chinois, tu vois. Nesca. Y'en a marre. Je vois. Trouve des pierres dans les carrés des montagnes, il a fait de très beaux objets. Lorsque vous arrivez au village, je te montrerai ce que mon père a créé. Je veux bien. Bien. Qu'est-ce qui est ton père? Mon père m'a appris plein de choses. Tout comme mon père et moi. Qu'est-ce que ton père t'a appris? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose avec pas? Non, je sais pas où se lire. D'ailleurs, on est bientôt arrivé au village de Beilo. On a vu cette montagne, on continue encore un peu plus loin. Je vois. La route est encore longue. Forêt. Tu vois cette forêt, tout là-bas jusqu'au village. J'ai l'impression que le paysage n'a pas changé du tout. Les gens aussi pensent toujours la même chose. Quand tu reconnais la forêt, ouais. Je reconnaîtrai le chemin si j'arrive à voir la poussée du soleil. Il y a des repères assez l'autre sur le chemin. Des repères sur le chemin de montagne. Oui, il y en a juste un peu. Les arbres, les pierres forment d'étranges cours d'eau. On peut voir. Tu te sers des pierres. Tu te sers des repères tout au long du chemin. Tu n'as pas remarqué? Je n'ai pas remarqué. Je te donne un exemple de repères. Il y en a à deux pas. C'est stylé, hein. Guy. Gueux. C'est plus Guy. Le fleur. Tu aimes les fleurs? Oui, j'ai raffolé, toi, des fleurs. Mon ami et sa famille, t'es des fleuristes. Ah ah. Ton ami du Japon? Ouais. Qu'est-ce qu'un fleuriste? Un magasin qui vend des fleurs. Un vendeur de fleurs? Ouais, c'est vrai. C'est étrange, on peut les faire partout. Bah oui, c'est vrai. Est-ce que ton ami cueille des fleurs dans les montagnes pour se les revendre? Non, Nozomi. Elle s'appelle Nozomi, c'est ça? Ouais. Qui est cette personne? Nozomi. Ma femme. C'est une femme. Une amie d'enfance. Ils sont des amis d'enfance. Une amie d'enfance? Ouais, on habite juste près de la plage, on est allé à l'école. C'est tu es proche tous les deux? Ouais, je suppose. Qu'y a-t-il, Rio? On était proche. Ouais. Oh là là. Le couple bas de l'aile. Les fleurs préférées de Valérie la Minoule. Saviez-vous, l'enclos? Oh, le café! Ce sont d'ailleurs les Finlandais les plus férus de cette boisson. Ils en consomment jusqu'à moult litres. C'est très beau. Il y aura des fleurs, pas vrai? Des fleurs, en effet, on regarde des fleurs. Quand j'étais petite un jour, j'ai vu un cortège de papillons s'envoler à l'unisson. Je commençais à pleurer car j'ai cru que c'était les fleurs qui s'étaient envolées. Parce qu'on a droit aussi. Pourquoi? Pas des fleurs par ici? C'est avec les papillons viennent s'abreuver en eau. Bon, après la pluie, il y a une super fois qu'il y a des petites feuilles. Je vois.